comment tu vas? Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de Luigi's Mansion 2 sur Nintendo Switch, Luigi's Mansion 2 HD. Non, parce que Paper Mario la Porte Millénaire, c'était Paper Mario la Porte Millénaire dans les deux cas. Et là c'est Luigi's Mansion 2 HD. Alors les amis, on va y aller. Il y a juste une critique que je voulais faire sur le jeu. Genre moi j'aime vraiment beaucoup Luigi's Mansion 2, je trouve ça vraiment cool. Mais il y a un truc qu'il faut que je mette au clair, parce que c'est globalement la seule critique que j'avais sur le jeu. Parce que des fois je dis les graphismes c'est pas ouf, mais je m'en fous en vrai. Genre, j'ai jamais jugé un jeu sur les graphismes. C'est vrai que c'est pas très beau, mais enfin, moi je m'en moque. Hein. Toi, ça peut ne pas te plaire, mais moi j'en moque. Bref, mais par contre, ce qui me saoule, c'est que il y a pas de mode coop, genre l'aventure en coop sur le jeu. C'est incroyable. Et là, je sais qu'il y a plein de gens, chaque fois qu'ils me répondaient quand je faisais ça en live, mais Kirbendo, il y en avait pas dans le jeu de base. Et alors? Je vous rappelle quand même pour un petit peu d'histoire à Nintendo et vous les faux experts de Luigi's Mansion, que quand Luigi's Mansion 3 est sorti, il y avait un mode coopération pour l'aventure principale. Mais plus encore, quand Luigi's Mansion 1 est sorti sur 3DS, il y avait un mode de l'aventure en coop. Alors que sur GameCube, il n'y avait pas ce mode. Donc justement, quand ils ont fait le remake sur 3DS, ils n'ont pas juste changé les graphismes et la maniabilité, ils ont rajouté un mode 2 joueurs, et ça c'était cool. Ce qui faisait que bah plus de la moitié des jeux Luigi's Mansion étaient jouables dans l'aventure en coop. Et là, Luigi's Mansion 2, bah, quand il est sorti, il n'y avait pas de coop. Mais là, ils font un remake. Et ils décident de pas mettre de multi en coop dans l'aventure. Je comprends pas trop le délire en fait. Genre je pense que là pour le coup ils ont été un peu paresseux. Parce que bah dans le 1 ça y était pas, ils l'ont mis quand même. Dans le 3 ils l'ont mis, donc je vois pas pourquoi. Genre en fait ça fait que Luigi Mansion 2 est au final le seul jeu Luigi Mansion qu'on peut pas finir à deux. C'est très étrange. Le 4 on pourra sûrement probablement y jouer à deux, on verra bien, mais ouais c'est très bizarre. Bref les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, commenter, partager, vous abonner, let's go. On va même pas aller voir notre collection parce que... Ah ouais non, bah déjà on peut pas... Ouais on va même pas y aller, on a qu'un seul fantôme, c'est bon hein. Donc on continue. Manoir du désespoir et dans le vif du sujet. Maintenant que tu disposes d'un équipement adapté, mettons-nous au travail. Nos recherches débuteront dans l'aile nord du manoir car j'y détecte une forte activité paranormale. Tu es prêt à retourner là-bas? Tu ne manques pas de courage. Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge. Oh, c'était le bon temps. Bref, il faut absolument que nous mettions la main sur tous les fragments. Par chance, l'une de mes toutes dernières inventions devrait grandement nous faciliter la tâche. C'est un appareil capable de détecter, mesurer et analyser tous les signaux paranormaux. J'ai appelé cette invention géniale l'occultographe. Je viens tout juste de l'utiliser pour analyser le manoir du désespoir. J'ai détecté une forte activité paranormale dans les pièces de l'aile nord. C'est donc là que nous allons commencer nos recherches. Allez, vas-y Luigi! Téléporte-le là. Qu'est-ce qui t'arrive mon garçon? Tu es tout pâle. Oh, tu n'as pas changé tu sais, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Grâce à mon Ectoblast 5000, tu peux faire face à toutes les situations. Ils auraient dû faire un easter egg où des fois t'es téléporté, genre, bah t'arrives en pièce détachée. Avant de pouvoir accéder à l'aile nord, tu devras activer un mécanisme bien spécifique. Ouais, d'accord, j'avais vu le mécanisme, je l'avais pas activé. Ce mécanisme se trouve dans le grand hall. Je te contacterai dès que tu seras sur place. On y va ou pas? C'est très très long, hein. Très 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 long. Tout est clair, parfait. Alors au travail. Ok, let's go. Et donc les amis, bah je pense qu'on va faire une mission par vidéo. C'est ce qu'on avait fait à l'époque, donc autant continuer comme ça, hein. Ça me paraît pas déconnant. Bon, allez, c'est bon là, on y arrive. Merci. Comme ça, on arrive même pas au même endroit. Est-ce que je peux encore sortir? Je sais même pas. Brrr. Mais faut refaire les pièces qu'on a déjà fait. Parce qu'il peut y avoir bah, déjà de l'argent et des gemmes dedans. Mais qu'est-ce que je peux sortir? Ah ouais? D'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait des choses très très intéressantes. Mais d'ailleurs, regardez là, ne sert à rien si. J'entends une souris. Comment ça? Ah là-bas. Oula, mais elle était dans elle est dans le mur. Bon. Il y a quelques petits problèmes sur le jeu, mais ce n'est pas grave. Merci, il y a rien du tout là-haut. Attendez. Il y a des pièces là, non? Il y a un lingot? Ah, il y a des pièces, ouais, enfin deux pièces. C'est pas ça qui va nous faire beaucoup avancer. Et là-haut, il n'y a rien de plus. Ok, je suis pauvre. Je suis condamné à rester pauvre. Non, mais en vrai, ouais, on peut faire demi-tour, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Parce que, en vrai, il suppose que tu le fais pas, le demi-tour là que je fais. Hein. Il y a quoi? Rien. Là, il y a quand même des trucs, hein. Oh, oh, oh. Ah mais oui, mais il y a quand même des trucs. Genre je suis pas venu là pour rien. Attendez, il y avait pas un truc là? J'en avais récupéré de l'argent mais je sais pas trop comment. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Il y a un bruit bizarre. Vas-y, ça c'est AR. Merci. Ah mais c'est la porte. Pourquoi la porte elle claque comme ça là? Ça va pas?
On dirait il y a des fantômes. Mais non, ça n'existe pas, voyons. Par contre, il n'y a vraiment pas un truc à faire avec cette statue. C'est bizarre, mais apparemment non. Et là, il n'y a rien. Bon, par contre, ça, la porte, là. On peut pas l'ouvrir. C'est bizarre, genre, surtout que sur la map, on dirait il y a un chemin. C'est étrange. Bref. Alors, let's go. Bon, rien d'intéressant. Et là, par contre, il y avait des souris dans la pièce, mais il va pas y avoir que des souris. Vas-y. Ok, toi t'es morte. Et l'autre aussi, je l'ai tué. Non. Oh! Voilà, je déteste ça. Je déteste les souris. C'est mes premiers dégâts. Je m'étais pas fait toucher depuis le début. Et il fallait bien que ça arrive. Oula. Ok, je crois que je me suis vengé. Mais comment ça, les lumières, ça peut tuer des souris? C'est parce que c'est des souris fantômes, les amis. Bon, on s'en fout, y'a rien. Je sais même pas s'il y a droite en plus, il y aura quelque chose dehors. Je crois que c'est vraiment pas utile de refouiller, mais. Il faut, on sait jamais. J'ai pas envie de louper des trucs. Ok, et. Non, reste là. Ah! Ça, j'en avais besoin. Donc, merci. C'est cool. Et là, bah, il y avait une gemme d'ailleurs. Ça veut dire qu'on peut ramasser la gemme dans un autre objectif. Parce que, genre, j'aurais quand même pu venir ici. Bah ouais, genre j'aurais pu la récupérer la gemme. Et si tu la récupères, tu gagnes de l'argent. Oh, pars pas à l'autre bout. Merci. Pas d'argent, pas de vie, genre ça te dit juste oh vous avez récupéré une gemme, merci j'en ai rien à faire. Ok, et là par contre il y a des fantômes hein. Genre il fait tout noir, donc c'est obligé. Oh, un nouveau fantôme, et bah voilà, super. Il détruit le mécanisme dès qu'on arrive. Ah bah dis donc, c'est génial ça. Merci bien. En plus il y en a 4. Oula. Il a tapé, vous disputez pas là. Il y en a pour tout le monde. Ah bah non, mais ils sont 5. Ils sont 5 et il y en a 4. Bah non, ils sont 4 et il y en a 4. Bah alors ça va, vous disputez pas. Par contre, pourquoi Luigi les a pas capturés directement? Luigi, t'abuse! Il a l'air menaçant, le fantôme qu'on voit. Enfin, le poisson qu'on voit là-haut. On y allait. Réponds. Hello. Nom d'un globule, ces fantômes exagèrent. Les gros bras ont volé les rouages qui actionnent le mécanisme. Par chance, je vais pouvoir les localiser grâce à mon cultographe. Jette un œil à ta carte. Et voilà, je viens d'activer la fonction détection sépulcrale de la déesse. Autrement dit, la déesse de la déesse. C'est truculent, n'est-ce pas? Oh, j'ai pas compris la blague. Ah, ok. Déesse détection sépulcrale. La détection sépulcrale te permet de voir où se trouvent les gros bras dans l'aile ouest. Et oui, ta carte fournira des tas d'informations utiles, n'hésite pas à t'en servir. Bon courage mon garçon, je compte sur toi pour trouver ces rouages. Je compte sur moi aussi. Bon alors par contre il faudrait le pouvoir là, parce que genre on a ça, mais pour R. Y a-t-il des trucs là-dedans maintenant? Vas-y, ouvre tout ce que tu peux. Non mais... Ah! J'en ai marre du truc vide. J'ai 80 pièces, bah après c'est pas incroyable, mais... Vas-y, on peut aller là ou... Ah! Ok, j'ai eu un peu peur. Oui, c'est pas drôle. Oh non. Oh non, mais c'est une blague. M'interromps pas, ouais c'est bon. Non mais parce que j'avais déjà exploré les salles d'avant. Ah, il est juste ici. Bah non, c'est pas lui. Lui, il a pas de clé. Vas-y. Let's go. Bah non, ouais, c'est pas lui. Ah si. Ok, il l'avait mis dans son baltrou, je pense, peut-être. Hein. On sait pas. Mais il y a un trou dans le mur, là. Ah mais c'est un truc que j'avais sûrement déjà eu à la mission précédente. Ok, donc maintenant quoi, cette porte là elle était fermée à clé, c'est ça le délire? On dirait bien, vas-y Luigi, on connaît hein, ouvrir les portes, on connaît les cinématiques, on l'a déjà vu pas mal de fois. Là il y a un truc, j'en suis presque sûr. Et ouais, ah il y a même plus qu'un truc hein. Ah c'est le max? D'accord, ok, faut pas oublier les dollars qu'il y a là-bas. Je fouille un peu, il y a rien. Alors ici il y a un gros bras normalement. Je dois trouver sa cachette, mais ça bouge bizarrement. Serait-il là? Ah non, d'accord. Comment je peux savoir où il est? Si j'avais... Il y a un appareil que me donne l'autre, là. Catastrophe, je pourrais savoir, mais... Là-dedans? Ah, ça, attendez, je peux pas faire ça? Ah, mais si, mais je dois faire ça, non? Mais comment ça marche, ça? Non? Alors là, monsieur Catastrophe, j'aurais peut-être besoin de votre aide. Pendant, ça paraît assez simple, mais je sais pas ce que je dois faire. Ça s'active après, en fait, c'est ça le truc. Alors où est-ce que je le trouve, le gros bras? Ah, c'était caché là-dedans.
Enfin, c'était pas un gros bras, mais vas-y. Ah non, non, il m'en faut deux, il m'en faut deux. Vas-y. Oula, non, non, non. J'arriverai pas à avoir les deux. En plus, j'arrive pas à me retourner correctement. Non, j'arriverai pas à avoir les deux d'un coup. Ok, ok, c'est bon, laisse tomber, dégage de là. Vas-y. Ok, ok, dégage aussi. Les dégâts là, ça, c'est pas sympa. Ah, merci. Ok, je suis revenu au max de vie. Hein? Ah, le voilà, le voilà. Vas-y. Oh non! Non, non, pas les souris dorées maintenant! Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Oula, oula, oula. L'autre, il abuse, hein. Vas-y. Ah mince, ça fait trop de dégâts, non? C'est bon! Let's go! Ouais, enfin, c'est pour avoir 3 pièces, donc... voilà, j'ai un premier rouage. Mais par contre, il y a plein de mécanismes ici qu'on peut utiliser, non? Oh, ouais, t'es content, t'es content. Vas-y, je sais même pas donc comment il peut le mettre dans sa poche, mais... parce que ça, ça peut vraiment pas s'activer? C'est peut-être dans une autre mission, mais on dirait vraiment des trucs qu'on peut activer, hein. Là, il y a quoi? Derrière, il n'y a plus rien. Non, mais c'est bon, là, j'imagine qu'on a tout fait. Ça me paraît bizarre, quand même, hein. Selon moi, j'ai pas tout fait ici. Mais je sais pas ce que je pourrais faire de plus. Ok, tant pis, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut jamais vraiment savoir quand une salle est finie à 100% ou pas? Allez. Vas-y, merci. Mais attendez, mais là, il y a un trou, non? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ah? C'est là que je pouvais voir où il se cachait, je pense. Ok, mais on s'en fout. On a déjà eu. Et là? Oh! Petit passage secret. Un passage secret, pas très secret quand même, mais... Hein? Une pièce comme ça pour... Ah, ok, je me disais pour juste quelques pièces, c'est pas possible, mais... Merci pour la clé. Par contre, bizarre, hein. L'absence de gemmes m'inquiète un peu. Bah, vas-y, X. Mais on s'en fout, genre... Ok, ils font une œuvre d'art, merci. On est très ravis de le savoir. Ok. Allez, allez. Alors. What? Mais j'ai une clé. Moi, je peux pas y aller, c'est bizarre. Oula, oula. Et mince. Ah non, mais les vies perdues par les ennemis tout pourris, là. Mais non, mais c'est bizarre, pourquoi je peux pas y aller? Quel est le problème? Parce que là, moi, je peux y passer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc devant la porte? Ah! Je vais peut-être y aller par en haut. Je sais pas trop, c'est étrange, mais effectivement, je peux pas y aller. Parce qu'il y a, de la poussière devant la porte. Ils sont vraiment sales, ces fantômes, hein. C'est pas ouf. Hein. Du fromage. Hein? Une souris. Ah, c'était une petite histoire. Oh, encore? Ils aiment trop ce genre de trope sur ce jeu. Oula. C'est le gars télépathe, là. Il y a moyen. Ça, ça doit se brûler, je pense. Et ça, bah, je sais ce qu'il faut y faire, mais on peut pas. Mais donc, il n'y a rien de plus, ici. Après, j'ai eu une clé, un rouage. J'imagine que j'ai pas fait ça totalement pour rien, mais tout de même. Demi-tower, allons ici. Mais il y a une salle tout à droite, en plus, dans laquelle je suis pas allé. Bah, déjà, est-ce que je peux mettre le premier? Je mets le premier, mais ça sert pas à grand-chose. Ah bah oui, voilà, non, bah, il veut même pas, en fait. C'est tout ou rien. Alors, merci, la machine, elle est quand même grave capricieuse. Bref, ici, on y était allé. Il y a quoi de nouveau? Ok. Ouais, il y a rien. Ça, ça s'aspire pas, non? Ça se trouve, il y a rien. Hein. Ouais, il y a même plus de fantômes. Mais qui a laissé la douche allumée? Par contre, ça va faire une sacrée facture d'eau, enfin, de... hein. Ah, ah! Oh, what? Oh! Vas-y, vas-y, vas-y. Allez! Attends, il m'a... Ah, j'ai eu peur! Quand j'ai vu qu'il m'avait donné des vies, j'ai eu super peur. Ouh, ok, un petit fantôme doré. Je savais même pas qu'il y en avait un ici. Et ça, c'est rien. Ah, si, si, quelques pièces. En fait, j'ai l'impression qu'aux endroits dans un chapitre... Bah, quand t'as fait une mission et que t'as eu plein de pièces dans un endroit... Si tu reviens dans un dans la mission suivante, genre ça te donne juste 3 pièces à la fois, enfin à la place. Mais par contre, genre dans les endroits où il y avait peu de pièces, bah ça t'en donne pas plus. Ça c'est un piège. Ah non, toujours. Ah si, j'ai eu peur. Je me disais bien. Bon alors, il y a quoi? Il y a un rouge là qui arrive. Oh, c'est eux. Est-ce que c'est ceux que j'aime pas?
Non, je crois pas, je sais plus. Vas-y, t'es où? Ah, si, eux, c'est ceux qui se cachent dans des meubles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mince, ouais, mais faut fouiller dedans. Vas-y. Allez. En fait, tant qu'il y en a un, c'est pas très grave, mais quand il y en a plus, c'est un peu plus relou. Hein. Enfin, à la fois. Hein. Parce que quand il y en a qu'un, puis un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs à la fois que c'est relou. Bref, j'ai déjà 360 pièces, enfin gold. C'est très très bien. Je suis plutôt satisfait de toi, Luigi. T'es pas si nul que ça, hein. Mais je retiens pas ce que j'avais dit. Les coffres forts, c'est toujours bien, normalement. Hein. J'ai récupéré de la vie alors que j'en avais déjà au max. Oh, les petits poissons. Attendez, what? Regardez-lui, il est pas rassurant. D'ailleurs, je me demande pourquoi il bouffe pas l'autre. Enfin, l'autre, il a pas de visage, donc... mais... Ok, bon. Il y a plus rien là-haut. Non, je me disais, il y aurait peut-être un fantôme doré caché, mais même pas. Bon, allez. Vas-y, Luigi, t'as eu la clé. On va jeter un petit coup d'œil ici. Ah, je crois que je me souviens du boss de ce monde. Enfin, de cette mission. Alors. Oh, oh. Quoi? Ah, oui, aucune vie. Vas-y, merci Luigi. GG. Ça, non. Ça, non. Ça, c'est quoi? C'est un trou? Non, même pas. Si, avec le bouton X. Ah, non. Oh, 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 oh. Oula, ah, je sais, je dois faire de la musique. À un bon rythme, peut-être, mais... Osef, je peux pas faire tomber les autres? Non. Pourquoi il y a du temps affiché là-haut? Il est 13h50? Ouais, il est peut-être vraiment 13h50. Oh! Vas-y, vas-y, ramasse! Haha! J'en ai pas loupé. Pour l'instant, hein. Pour l'instant. Très bien. Là, il y a R. Là, généralement, dans le feu, il y a rien. J'avais de l'éteindre, mais ça fait rien du tout. Donc là, ouais, faut faire de la musique, hein. C'est tout ce qui nous reste. Oh, vas-y, vas-y. J'en ai deux. Let's go. Oh, tout l'argent que ça donne. Aussi. Vas-y. Fou, j'ai cru qu'il allait me jeter dans le feu. J'aurais pas aimé, hein. Allez, deux rouages sur 4. Oh, je refaisais de la musique. Pour rien, mais pourquoi pas. Vas-y, vas-y. Luigi, faut se dépêcher, hein. On n'a pas tout le temps qu'on veut. Bah, pourquoi il a été éjecté? Oh, oh, oh. Ça, j'aime pas. Après, normalement, il donne de la vie, non? Apparemment, non. Ok, merci. C'est quoi, ça? Rien du tout. Ah bon, ça va être un truc, non? Comment on va aller de l'autre côté? Faut mettre le feu, mais comment? Ah bah non, en passant de l'autre côté. Oh, 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 là, il y a un truc. Hein. Comment on ouvre? Vas-y, X, 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 X. Bah oui, bah non, mais ça, je le vois. Hein. Tant qu'il y a l'étoile d'araignée, moi je peux rien faire. Il y avait un pouvoir de feu dans Luigi Mansion 1, mais il y est pas sur Luigi Mansion 2, je crois. Hein. On dirait un faux sol. Non? Ok. Ah, mais dans cette pièce, il n'y a même pas d'ennemis. Ok. Let's go. Genre, elle est un peu vide. Mais là, par contre, j'ai du feu, mais pour quelle raison? C'est quoi, ça? Ouais, il y a un rouage, merci. Mais ouais, étrange. Qu'est-ce que j'en fais du feu? Est-ce que je peux pas emmener le feu quelque part? Ça, le problème. Parce que là, faudrait cramer ça. Ça fait quoi, là-haut? J'ai mis le feu à une chauve-souris. D'accord. C'est quoi, ça? Oh! Mais je passe comment, maintenant? Ah non, mais Luigi, mais c'est super dangereux! Non, 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 non! Oh là là, qu'est-ce qu'il est bête, Luigi! Faut surtout pas faire ça! Mais la porte, alors, elle était fermée? J'ai même pas essayé, d'ailleurs, mais... Sûrement, sûrement. Oh, merci. C'est pas très bon signe, par contre. Hein. Le fait de donner autant de vie comme ça, là, c'est jamais un très bon signe. Ça sert à rien de retirer les... Ouais, on dirait, hein. Oh, oh. Y'en a qu'un? On dirait bien. Ah non, y'en a un autre là-bas. Venez là, venez là. Non mais... Bon, j'arriverai pas à avoir les deux. C'est bon, vas-y. En plus, ça me fait perdre du temps de fou, donc... Oh, oh, oh. Là, j'aurais pu en avoir trois si j'avais géré. Ah, là, c'est possible, en vrai. Non, non, bah non, pas s'il est derrière moi comme ça. Oh là 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 là, relou. Non, non. Non, mais... Non, 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 dégage!
Oh là là, les souris. Et c'est vraiment le pire truc sur le jeu, par contre, les souris. Hein. Là, je déconne pas. Vas-y. C'est bon. C'est pas fini. Ah bah non, bah c'est vrai, il y a lui. Toujours. Allez, 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 allez. C'est bon. Et les souris qui restent là, qui saoulent bien. Il va falloir que je regagne des vies, hein. Relou. Mais on sait, il y avait un rouage ici, je l'avais vu de l'autre côté. Merci, mais par contre, il y a sûrement pas que ça. Cœur. Là, je voudrais bien un petit cœur. Parce qu'il y a un point dans le niveau où normalement tu peux plus perdre de vie. Mais sinon, t'as pas le 100%, quoi. Enfin, t'as pas les 3 étoiles. Non, je sais pas, c'est quoi la tolérance? Faut avoir 100% des vies ou moins? Enfin, genre, si t'en as 80, ça marche? Je sais pas. Ouh! Ça, c'est bien, mais j'ai pas le pouvoir. Oh! Ok. Ah, j'aurais bien voulu avoir de la vie. Tant pis. Merci pour tout ça, par contre. Allez, on va là. Et là, il y a bien un passage pour aller en dessous, parce que c'est là qu'on était bloqué. Mais... Par contre, je veux bien, mais je sais toujours pas... Ah, on peut pas passer par là. Je sais toujours pas comment on récupère la gemme. Hein. La gemme champignon. Vas-y. Fais attention parce que ça s'est rallumé vite tout à l'heure. Hein. Donc là, si ça se rallumait, mon pauvre Luigi, tu serais mort. Hein. Oh. Et rip. Ouah. Oh, bah ça va. Laisse-moi le temps de les illuminer, je t'en supplie. Mince. Il y en a un là, j'imagine. Ah là, ils vont être un par un, donc ça va, c'est cool. Ok, merci. Et c'est bon. Vas-y. Non. Parfait, c'est bon. Quoi? Ah bah il y a le gros rouge quelque part. Ah, wow. Bon, il m'avait attaqué direct. Heureusement qu'il m'a pas eu. Ça aurait été un peu rageant. J'ai tous les rouages. Dans tous les cas, il y a quand même à faire. Enfin sûrement, waouh. Bah il est pas moche le tableau, mais juste c'est pas lui quoi. Enfin il a pas cette moustache en fait. Après c'est la vision de l'artiste, j'imagine. Retrouver les 4 jeux. Oui, mais... J'étais pas occupé là, non? Punaise. Luigi, comment ça se passe mon garçon? Tu as déjà retrouvé les 4 rouages manquants, beau travail! Tu peux retourner dans le grand hall et remettre ces rouages à leur place. Si je veux. Déjà, je fais mon job. Et merci. Ça peut se soulever? Non. L'appareil photo, il sert à quelque chose? Oh, oh. C'est où alors, c'est là? Oh, très bien. J'en ai loupé ou pas? Non. Ah bah les autres ça doit être plus tard en fait. Genre quand il n'y a plus l'étoile d'araignée. J'en sais rien mais c'est étrange. Bon bref, c'est pas grave. Vas-y, en tout cas j'en ai pas loupé. Dans la logique j'en ai pas loupé, ce qui est très bien. Vas-y Luigi. Là-bas il y a une salle dans laquelle on peut pas aller si je me souviens bien. Et donc faut revenir ici. Et récupérer des vies, je t'en supplie Luigi, récupère des vies. Récupère un peu de vie. Pas, t'as pas besoin de 1000 vies mais juste 5 PV. Ce serait très bien. Oh. Oh. Non mais il est débile ou quoi? Même un enfant de 6 mois il fait ce genre de jeu, il y arrive. Bon 6 mois j'exagère mais... Hein? What? What? Que se passe-t-il Luigi? Qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement? Il est vrai que c'est de circonstance, mais c'est de te montrer plus positif. Nom d'un globule, tu n'arrives pas à remettre les rouages en place? Les gros bras ont dû les tordre. Je pense pouvoir les réparer pour qu'ils s'imbriquent à nouveau dans le mécanisme. Tu as bien travaillé en tout cas en récupérant tous les rouages. En outre, j'ai l'impression que tu as capturé des spécimens fascinants. J'ai hâte de pouvoir les étudier, je te ramène tout de suite! Ah, c'était un peu anticlimatique. Genre ça se termine comme ça, la mission. D'accord, alors on va voir combien de scores. J'espère quand même qu'on a les 100%. C'est vrai qu'on a les 3 étoiles. Vas-y. Ah merde, j'ai perdu beaucoup d'énergie, non? En fait, c'est l'énergie perdue, pas l'énergie qu'on a à la fin. What? Eh bah, si je veux le 100%, ça va pas se faire comme ça, là. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop triste. Faudrait que je refasse. Hein. Faudrait que je refasse rapidement. Mais je sais pas si j'ai besoin de récupérer toutes les pièces que j'ai récupérées, quand même. Bon, je pense que les missions qu'on n'arrive pas à terminer à 100%, enfin au max, on les fera en live. Hein. Je pense qu'on fera ça. Bref, Excellent travail, Luigi. Je me réjouis d'avoir fait appel à toi pour cette mission. Bien, voyons ce qu'on peut faire avec ces rouages. Qu'est-ce que tu peux faire avec?
Got it. Je pense pouvoir faire quelque chose pour les réparer. Mais ils sont pas du tout tordus, si? Ils ont l'air d'être tout à fait normaux. Mais pour l'heure, intéressons-nous à ce que tu nous as ramené dans les Toblas 5000. Ah oui, parce que là, on a le fantôme doré en plus. Ah, mais on a 3 nouveaux spécimens alors. Alors, nouvelle gemme, ouais. Nouvelle gemme. Et là, 24, wouhou. 8, wouhou. Et 1, wouhou. Pourquoi? Parce qu'il est nul. Oh, 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 oh. Amélioration de quoi? De Kwakubé? Ah, ça c'est bien. Tu vas pouvoir charger la jauge d'aspire à plus longtemps et affaiblir les fantômes encore davantage en appuyant sur A. C'est cool ça. C'est vraiment bien. Et maintenant, donc, on va aller les voir nos fantômes, non? Tu as découvert de nouvelles espèces de fantômes. Beau travail, mon garçon. Ils devraient se tenir tranquilles maintenant qu'ils sont confinés dans la chambre forte. Au fait, tu peux descendre dans la chambre forte pour en savoir plus sur ces fantômes. Tu peux voir les espèces que tu as découvertes et lire mes notes de recherche à leur sujet. Étudier en détail leur signature paranormale me permet d'affiner les réglages de l'occultographe. Et maintenant, au travail, je vais trouver le moyen de reformer ces rouages et d'activer ce mécanisme. Vas-y, j'ai envie d'aller jeter un œil. Par contre, la tour... Non, vas-y. Ok, stop. Stop, stop. Oui, stop. Vas-y. La tour. Ça termine un certain. Ouais, mais c'est combien de missions pour aller dans la tour hantée? Bref, chambre forte. Mm-hmm. Si j'appuie dessus, c'est que je veux y aller, hein. Vas-y. What? Mais il a pas d'escalier ou des trucs normaux, genre pour se déplacer chez lui? Ah, j'ai déjà 2000 gold. Très bien. Donc. C'est quoi ça? On peut même pas savoir. Container de fantômes. Vallée des ombres. C'est le premier monde, et donc on a eu, genre, 5 des fantômes. Ah non? Ah, la vallée des ombres, c'est tout le monde, oui. Et là, Pactole. Ce fantôme a un corps d'or, non, mais un cœur de pierre. Heureusement que je n'ai jamais croisé personne d'aussi radin. Non, honnêtement, je n'ai jamais croisé personne d'aussi radin. Ok, ok, très bien. Et donc, ouais, on peut l'observer, d'accord, super. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? À droite, il y a la collection de gemmes. Oui, pour chaque monde, chacune de ses améthystes est unique. Objectif, tout trouver. Je sais même pas ce que tu gagnes. Ça se trouve, tu gagnes rien du temps, hein. Enfin, rien du tout. Les améliorations. Il n'y en a pas tant que ça, des améliorations, malheureusement, sur le jeu. Mais c'est quand même cool. En tout cas, les amis, nous, on va rester là pour cette vidéo de Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch. N'oublie pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de t'abonner. Et à demain pour la suite. Salut!